G-School recrute des qualités, pas des compétences. Votre qualité d'écoute, votre rigueur et surtout ce sentiment d'aider les gens. Ça, c'est important. Pour commencer chez G-School, il faut toujours être à l'écoute, tant au niveau des patients, des collègues et également des praticiens. Pour être une bonne télésecrétaire, je pense qu'il faut d'abord avoir beaucoup de patience, être souriante, être dynamique. Chez G-School, on ne s'attarde pas forcément sur le parcours scolaire ou sur l'expérience professionnelle. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est vous, votre motivation, votre dynamisme et votre envie de rejoindre notre équipe. Si vous êtes rigoureux, si vous êtes souriant, si vous vous débrouillez bien en orthographe et surtout si vous avez l'esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous. Vous aimez le travail en équipe? Je vous invite à rejoindre l'une de nos agences G-School. À toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l'équipe, nous vous attendons. N'hésitez pas à pousser la porte et déposer votre CV. Au départ, j'ai un BTS tourisme. J'ai été aussi cuistot dans un restaurant. Ce qui prouve bien qu'en fait, si tu aimes le contact humain, tu peux te retrouver dans cette société et passer de très bons moments. On part sur une période d'essai d'un mois, parce qu'on a quand même besoin de voir ce qui se passe sur le premier mois. Et ça, derrière, déclenche un CDD de 6 mois, parce qu'on a une formation qui est quand même assez longue. On ne peut pas se permettre en quelques semaines de déterminer si oui ou non. Ça va convenir à la secrétaire et nous convenir aussi. Mais le but, au bout de ces 6 mois, c'est donc de signer un CDI avec la secrétaire. J'ai eu l'opportunité de signer un CDI très rapidement. J'ai pu évoluer également. Chez G-School, il y a des évolutions de poste. Donc à la base, on fait surtout de la prise d'appel pour les patients, mais on peut également prendre des appels au niveau du service client ainsi que du service commercial. L'orthographe, c'est hyper important parce qu'on fait beaucoup de notes au docteur, donc pour qu'on puisse bien se faire comprendre et que nos collègues aussi nous comprennent. Ben, tous les mois, selon le travail fourni, on peut avoir des primes. Tous les mois, donc il y a des primes qui peuvent varier. Si les consignes des praticiens sont respectées et si les temps sont respectés également. On est là aussi pour épauler toutes les nouvelles secrétaires qui veulent intégrer la société. Donc si vous avez besoin d'aide, ne vous inquiétez pas, vous levez la main et je serai là pour vous aider. Chez G-School, notre planning n'est pas fixe. C'est un avantage, nous avons nos plannings 4 semaines à l'avance et nous avons bien souvent une après-midi dans la semaine par exemple avec une amplitude horaire de 8h à 19h toute la semaine, ce qui nous laisse du temps libre à côté. Mes collaboratrices sont demandeuses de télétravail, mais elles apprécient aussi revenir au bureau pour l'ambiance. C'est possible de télétravailler, après il faut avoir déjà un minimum d'expérience. Et donc moi, grâce à ça, je suis en télétravail les 3/4 du temps. Ça ne m'empêche pas d'avoir une bonne relation avec mes collègues qui sont sur place. Et je viens leur rendre visite au moins 2 fois par mois. Ce qu'on attend de vous pour travailler au sein de G-School, c'est bien sûr auprès des patients, de nos clients, de l'empathie, de l'écoute. En même temps, on a besoin de Shiva, savoir un petit peu faire plusieurs choses à la fois, parce que vous êtes avec un casque, un clavier, mais aussi avec 2 écrans, plusieurs informations. Chez G-School, on ne cherche pas simplement du CV, on cherche de l'humain. Surtout, c'est très important pour nous, l'humain. Tous les ans, on va faire une soirée avec toutes les équipes G-School réunies dans des lieux toujours insolites et incroyables. L'année dernière, par exemple, on était sur une péniche sur la Seine. Si vous avez le sens du service, si vous aimez le partage, si vous aimez travailler dans une ambiance chaleureuse, alors ce poste est fait pour vous. Venez chez G-School.